Là, on a pour des thés brûlés. C'est bon? Oh! Bah où? C'est bon, non? C'est bon, non? Oh, les fameux Monster Munch. Ça, j'en ai beaucoup entendu parler. Mmh. Ça va? Le prochain, c'est des Twin Nuts. Ça me dégoûte déjà. Bon, Dieu tout le monde, c'est pour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oh! Pourquoi t'as fait ça? Stand up, take my people. Oh, c'est bon. On est là pour. Ouais, bon, on va commencer la version française aujourd'hui. Non, il faut que je fasse l'intro à la française, tu vois. Coucou les gars. Yo! Okay. Commençons. Okay, aujourd'hui, les gars, on va manger des nourritures françaises. Laisse-moi refaire l'intro. Wesh, le gang, ça dit quoi, les gars? Aujourd'hui, on va manger des nourritures françaises. Ok, bon. Aujourd'hui, on va manger des nourritures françaises. Et des nourritures françaises, il y en a tellement dans ce sac-là. J'ai acheté beaucoup de nourriture là. Donc là, reste jusqu'à la fin. Like. Abonne-toi et on y va là. Vous êtes prêts ou pas? Oui! Calmez-vous, vous êtes prêts? Oui! Ça tombe là! Oui. Ok, bon, on y va là. Let's go. Dites-moi de liker la vidéo aussi. Likez la vidéo et abonnez-vous. Vous êtes jumeaux ou quoi? On est jumeaux. Ouais, jumeaux. J'ai dit jumeaux, pas jumeaux. Jumeaux, c'est okay, ça va. On y va. Bon, première nourriture, ça va être les fritelles. Des Lay's fritelles. Vous avez déjà mangé ça? Non. Au bacon en plus. Au bacon en plus, frère. Ça sent bon, hein? Putain, ça sent pas bon! Ça sent bon? Pépite. C'est ça? Attends, t'es sérieuse ou non? Non, je suis sarcastique. Putain, ça sent pas bon. Allez, vas-y. Tant que je mange, moi. Prends-en deux. Attends, on va manger en même temps. Ça sent pas bon! 3, 2, 1, 2. Qu'est-ce que tu fais? Ça passe! Ils abusent là parce que j'ai goûté la fritelle. Ça passe! Toi tu manges tout, nous on est pas. Oh putain, c'est pas bon! Oh, j'ai encore le goût sur ma langue. Parce que c'est du bacon artificiel! Bacon artificiel, ok. En vrai, si j'ai rien à manger, je peux manger ça après. C'est genre. Mange ça. Gignotes. Oui, pardon. Oui, toi. Passons à un autre. Prochaine nourriture, ok? Là c'est des madeleines. En vrai, c'est ma mère qui a ouvert le paquet hier. C'est maman qui a ouvert le paquet. On a déjà goûté à des madeleines. Des madeleines, on a déjà mangé, mais moi ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Genre, ça fait vraiment longtemps. Ouais, c'est ça, mais aussi on a jamais mangé de madeleines de France. Parce que ouais, de France, parce que regardez là, c'est écrit ici. Fabriqué en France, la vraie France là. J'ai le goût des frites. T'as bu, c'est bon, on a compris. Prenez un chacun. Et vous le finissez tous, je m'en fous. Il n'y a personne qui va remettre dans le paquet. Go, vas-y, mange. Ça goûte. C'est bon. Alors, ça passe. Mais ça goûte le bleuet, c'est vrai, t'as raison. Si c'est de mal, de l'aile au bleuet. C'est pas au bleuet, c'est naturel. Mais en vrai, j'ai envie de le goûter comme qu'il vient de sortir du four, tu vois, de France là. Non, moi. On est dans le magasin, il a préparé les madeleines, il les sort directement du four là. Pas comme ça dans un sac. C'est là, genre, il est un peu mou. Oui, il est un peu mou, genre, il est dur. Ça goûte le bleuet, je sais pas. Toi, t'abuses. Toi, c'est bon, on a. Toi, t'abuses. Chaque notion, elle a comme ça. Les fritelles, c'était vraiment pas bon. Les fritelles, dites-moi dans les commentaires, j'ai déjà mangé des fritelles. Genre, vous trouvez ça vraiment dégueulasse? Genre, eux deux, ils ont pas aimé. Genre, what? Moi, ça. Le goût est tellement artificiel. Moi, ça passe. Genre, il n'y a rien à manger à la maison, je peux en guignoter. Genre, non. Ça va. Et ça, je donne un 6 sur 10. Mais je veux manger des vraies madeleines qui sortent directement du four là, en France, là, quand on va un jour y aller. La France. Prochaine nourriture, là on va prendre des capri-suns. Les capri-suns. Attends, moi, ce qui paraît maintenant, c'est plus dur de faire avec des pailles en carton. Mais bien sûr, c'est plus dur. C'est du plastique, c'est du carton. Ok, attendez. On ouvre d'abord, on ouvre et bon, après on attend. Comment ça se fait? Et moi j'ai ouvert. C'est au quoi? Attends, c'est à l'ananas. Ananas et orange. Capri-sun, on en a jamais bu de toute notre vie. Mais on a déjà bu des Kool-Aid. Je croyais que c'était la même chose, moi. Non, c'est pas. Oh, c'est pas la même chose. Je croyais que c'était la même marque, mais ils ont juste changé le nom, tu vois. Oh non, yo. Bon, 3, 2, 1, go. Moi, il sort pas. Ça goûte de l'eau. En vrai, ouais. Ça va? Ou c'est la saveur? C'est la saveur. Je me rappelle, c'est tout goût de l'eau. T'as déjà bu des Capri-Sun? Ouais. Où ça? Quand on était en deuxième année, des trucs comme ça, il y avait ça. T'as bu des Kool-Aid, pas des Capri-Sun. Non, Kool-Aid. Des Capri-Sun. Capri-Sun. Je m'appelle Capri-Sun. Il y en a ici? Il n'y en a pas ici. C'est bon?
On va voir, ça passe. T'as pas dit que ça goûte de l'eau, mais elle a fini. Elle a fini. Mais j'ai soif. Elle a dit ça goûte de l'eau, mais elle a fini. Mais j'ai soif. Allez, on y va pour le prochain. On y va pour le prochain ou pas? Prochain. Prochain. Oh putain! Rends les abdos! Franchement, ça. C'est bon. Ok, prochaine nourriture. Non, là, pour des têtes brûlées. Têtes brûlées, lui, il m'a dit qu'il y en a ici, mais moi, mais je n'ai oui, jamais vu. Non, moi, j'ai jamais vu. Où t'as vu ça? Au Dollarama. De la région des bonbons. Non, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Mais est-ce que c'est le moment où. Je sais que j'ai déjà mangé un jour dans ma vie un moment où je l'ai mis sur ma langue et ça commençait à pétiller, genre. C'est ça. Non, c'est, tu vois ça? Juste en goût. On doit le mettre dans la bouche directement ou bien on doit le croquer? On croque. Un, deux, trois go. Y'a rien. Putain, ça qui. Croque-le! Croque! Gaïa! Yeah! T'acide! C'est 3-6 pour moi. Tu veux? Je vais enlever ça. Et non! C'est 3-6. Et moi, j'ai vraiment croqué. Ils ont rien croqué là. C'est acide! Non! Quand tu le manges, tu y'a rien au début. Ça devient acide. Y'a du liquide à l'intérieur. Et t'es chaud à l'intérieur? Ouais! Regarde ça! Toi, t'as rien croqué, frère. Juste croque-le. Croque, c'est trop acide, guys. Au début, c'est pas acide. Je lave, c'est acide. C'est acide. Pardon. À un moment, j'ai senti un liquide qui sortait de dedans. Hein. Il y avait un liquide à l'intérieur. Je l'ai senti à un moment. Mais c'est ça, la tête brûlée. Je croyais que ça piquait et tout. Mais c'est acide. Pas... Non, voilà. Non, j'ai bien aimé le bonbon. En vrai. C'est bon? Mm-hmm. Attends. J'aime pas les choses acides de base. Attends. Et dit qu'elle en a déjà mangé. Oh! Bah où? C'est bon, non? C'est bon, non? Continue, c'est bon! C'est bon, non? C'est difficile à avaler. Continue! Shut up! C'est bon! C'est juste difficile à avaler, il n'y a rien de truc là. Ouais. C'est ça, difficile à avaler. Oh! C'est bon! Faut cracher pour pas que ça t'étouffe. Ah, quitte là-bas. Pardon. Next. Ok. Le prochain est. Oh, les fameux Monster Munch. Ça, j'en ai beaucoup entendu parler. C'est une nourriture française. J'espère que c'est pas encore truc comme les fritelles. Si c'est comme les fritelles, Gino. N'ose même pas ouvrir le paquet. On va d'abord sentir. On n'a même pas goûté. Faut ouvrir. Elle a été faite en France. Regardez même le drapeau ici. La France. Ça commence mal. Les goûts. Bacon, pizza, c'est là que naturel. En plus, j'ai vu le bacon, mais c'est pas plus bacon. J'ai fait exprès de prendre le naturel. C'est du bacon naturel. Laisse-nous sentir. C'est des frites. C'est comme des frites normalement. Laisse-moi sentir. Des frites. Des lays ou quoi. C'est juste des frites. Ça va. Ça va. Vous en prenez deux chacun. Et vous les avalez directement. Il n'y a pas de un. Je veux goûter un d'abord. Vas-y. Prends un. On goûte tous en même temps. Prends un. Oh, on dirait les gens. Oh, les chips chinoises. Non, les chips frites. Oh, aux crevettes. Les chips frites. Ouais, les chips frites. Ouais, on se lève. Prêt? Bon, 3, 2, 1, go. Ça va? C'est bon, hein? Mmh. Ah, elle a aimé. Moi aussi. C'est genre sucré et en même temps? Non, le sucré, c'est parce que. T'as tout bon. Hein, c'est salé. Ouais, c'est vraiment salé. C'est bon, c'est genre, tu vois, tu peux goûter ça va. Ouais. En vrai, les chips frites là. C'est ça, les chips frites crevettes. Les légumes en chips. Ah ouais. Oh oui. Ouais, ça goûte ça. C'est ça, j'ai parlé. On sent des crevettes en frites. Ça a le même goût. Ah, comme Monster? Ouais. Ouais. Le Monster Munch, c'est bon. Combien sur 10? Ouais, 8 sur 10. 8 sur 10? Ouais, j'aime le goût. 8-7. Ouais, c'est bon. Bon, next. Bon, là maintenant, le prochain c'est le Nutella Be Ready. Ça, on va pas faire carré. On va pas faire genre, on a jamais mangé ça. Il y en a ici. C'est venu il y a quelques mois ici, non, on dirait. Ouais. Là, c'est venu, j'en ai acheté. Là, je suis venu à la maison, on a mangé ça. Puis je lui ai dit que c'est déjà en France. Comment savez-vous que c'était en France? Comment savez-vous qu'il y avait ça déjà en France? J'ai vu des autres vidéos, ils disent les nourritures des riches en France. Genre, je sais pas comment expliquer. C'est pour riches, ça? Mais non! Juste goûtons, pardon. Ah, ok, mais bon. Sinon, on a déjà mangé ça et frère, dès que j'ai goûté ça, j'ai trop aimé. C'était trop bon jusqu'au moment où ils ont commencé à augmenter les prix. Ça a passé de 2 balles à 5 balles. Donc là, après, j'ai arrêté d'en acheter. Mais là, c'était en rabais, c'est pour ça que j'ai profité d'en acheter là. J'en ai acheté plein là. Sinon, les Be Ready et je vais parler de ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez les Be Ready aussi. C'est bon, allez. Merde, il est cassé. Il est bon quoi.
C'est bon, hein? Tout c'est croustillant et tout là, tu vois. T'as pas encore fini ton Capri Sun? Ah, c'est trop bon les deux. Capri Sun et Birelli ensemble. Combien sur 10? 9,5, 10. 9,5. 9, c'est trop sucré. C'est bon! C'est une mais c'est trop sucré. Comment ça avec le lait le matin? Avec ouais, le lait, parce que là, ça fait 10 sur 10. Mm-hmm. Ouais, là, c'est 9,5. J'achète des paquets en gros, hein? Ouais. Ils sont tous à moi en passant. Pardon? Quoi? C'est 6 paquets à 6 pour toi? Il n'y en a pas 6, j'ai acheté 3. Je te dis, dans la soirée, certains vont disparaître. Ok. Au revoir. Prochaine nourriture, on va aller avec le marbré chocolat. Belle France, regardez ça, c'est même écrit France ici. Et j'aime quand c'est écrit France, tu vois. Je me sens en France là. Oh merde! Il faut le découper. Comment on va faire? Ça sent les œufs et le chocolat. Oh, oh, ça sent le bail de la cafétéria. Oh, t'aimes pas? Mais toi, t'es bizarre, t'aimes rien, hein? Oui, j'aime rien. Mais avant, au début de l'année, t'aimais. Hein? Le truc de la cafétéria. Qu'est-ce que la cafétéria? Au chocolat. Oui, même ici. Ça sent. Découpé, je vois. Arrête de parler anglais. Non, en fait, c'est ça. Arrête ton lait ici, là. Attends, parle anglais. J'ai pas de couteau, donc là, on va juste prendre des petits morceaux. Non, pince, juste en pince, vraiment. Pince. Moi, je ne vais pas live, ok? C'est ça, c'est le bail de la café. C'est la cafétéria? Ouais, mais nous, il y a du chocolat beaucoup. Okay, parce qu'il bon. Y a du, beaucoup de chocolat, mais c'est genre à l'intérieur. Ouais. 3, 2, 1, go! Je reçois la tienne. C'est bon? Et tu avales. Mange tout. Avale. Ça m'a déçu. Celui-là, je pensais que ça allait être bon, mais ça me déçoit. En vrai, c'est genre une des premières choses que, genre, tu vois, c'est. J'ai pas trouvé ouf. En vrai, ils ont mis trop d'œufs, plus d'œufs que du chocolat. Peut-être que j'ai senti... le chocolat, c'était en bas. Ah, ouais, sûrement, il était en bas. Donc là, sans le coup, vous pouvez manger. On va goûter après. C'est ça, on va goûter après, ça va être bon. Bon, le prochain, c'est du luti. C'est une nourriture française. Et ça, j'en ai beaucoup entendu parler. À ce qu'il plaît, il est hyper bon et mais tout. Là. C'est comme des bonbons Coca-Cola ici. C'est comme les bonbons normaux, hein. Ah, mais c'est comme les bonbons. Il y a juste en manger. C'est juste des bonbons, en fait. Ça, on va voir. Il n'y a pas de bonbons qui appartient à un pays ou à un autre. C'est un bonbon Coca-Cola. Ça sent le Coca-Cola, hein. On goûte tous en même temps, ouais, on goûte tous. C'est juste des bonbons normaux, on va aimer, c'est sûr. Ouais. 3, 2, 1, go. Ah. C'est normal, c'est bon, c'est tranquille. Bonbon luthier, c'est hyper bon, c'est bon ça. After last night, il est périmé. Je rigole, comme toi. C'est bon, je rigole, là. Il est pas périmé. Mort. Maniaque. Le prochain, c'est des Twin Nuts. Ça me dégoûte déjà. Je vois les gens, ça me dégoûte. Ouvre. Si l'odeur est dégueulasse, non, je mange pas ça. C'est l'odeur française, frère. Est-ce que c'est une France? Oh non. En soi, c'est mexicain en vrai. Non. C'est français ou pas? Ben, je vais faire recherche de l'odeur française, j'ai trouvé ça. Ouvre seulement. C'est bon. Laisse-moi sentir. Ah, j'ai senti là, frère. Ok, vas-y. Tu manges? Ah, ouais, c'est. C'est genre la cacahuète. On sent juste la cacahuète. J'aime pas la cacahuète, perso. Tu veux pas? J'aime pas, non. Oh, mange! C'est bon! C'est pas mal en vrai, il y a des petits bouts dedans là, genre sucré. C'est pas mal! Tu vois les petits trucs à l'intérieur? On sent c'est du fromage ou un truc sucré là. Ça donne un arrière-goût. La vérité, c'est bon. Twin Nuts, je valide quand même. Ça va. C'est pas non plus mauvais. Et bon, prochain, ça va être Prince Maxi. Allez, ça. C'est la contrefaçon de. Attends, c'est quoi déjà les chocolats? Quoi? Je sais pas ce que je crois, mais Prince, genre. Non, attends. Quelle contrefaçon? Bref, c'est une contrefaçon, je pense. Je sais c'est quoi. Attends, qui t'a dit c'est une contrefaçon? Quelqu'un t'a dit. Ah, j'ai vu ça, tu veux pas. On a vu les biscuits. Moi, j'ai vu sur TikTok les biscuits. C'est une contrefaçon. Ah, tu veux TikTok. Ça, c'est un faux? Je pense. Mais bon, on va manger les Prince Maxi. On découpe en deux pour être sûr. Vous? Ouais. Attendez, mangez pas la tête. C'est ça. Vous êtes prêts là? Oui. Go. Bon, enfin, c'est bon. C'est bon. Ça, c'est juste la contrefaçon. On s'en fout de contrefaçon, parce que c'est une marque. C'est notre marque, c'est tout, point. Mais c'est une contrefaçon, mais c'est bon. C'est pareil, bon. Genre. Ça se prend avec du lait le matin, là, tu vois, du lait. Tu vois, avant d'aller à l'école. Ça va. Comme collation. Ça va, c'est bon. Bon, le prochain est Lion. Nestlé Lion. Jamais mangé ça, on n'a jamais mangé ça. Déjà mangé quoi?
Merci, Mio. Tu vas manger, hein. Nous parlons 3 à l'intérieur, là. Ça tombe bien. Prends-en un et moi, je ne sais pas le lien avec Trésor. C'est ça? Ça a l'air sucré. On dirait O. Henry. Ouais, c'est ça. O. Henry, la commission célébrale. 3, 2, 1, go. Oh. C'est bon ou pas? Non. C'est bon? C'est trop sucré. C'est ouais, bon. Ça, c'est trop sucré. Oh, vous mangez des trucs plus sucrés que ça. C'est juste du caramel, du chocolat. Du jus, du caramel, du chocolat, des arachides avec une pâte comme du Kit Kat. Ah, mais en vrai, c'est pas mal. Moi, je trouve pas mal. Bon, maintenant, le prochain, ça va être du Tropico. C'est une boisson, là. Regardez ça. Donne des bols. Des bols. Ça, on n'a jamais vu ça. C'est Tropico, c'est à l'ananas et à l'orange. Regardez ça. Tropico. Donc, on va boire ça maintenant, là. Et ça vient de la France, hein. Et... Ouh, ça sent bon pour l'instant. C'est bon. 3, 2, 1, go. Ouais. Ça... C'est on dirait qu'il y a beaucoup d'eau, mais c'est bon. Ouais, ouais, il y a beaucoup d'eau. Hein. C'est de l'eau. Il y a beaucoup d'eau. C'est comme si c'était artificiel. Ouais, mais c'est bon. Ça va? C'est quand même bon. Ça va, hein? Ça passe. Combien de saucisses? Oui, il y a un arrière-goût amer. C'est à cause de ce que tu viens de manger là. C'est à cause de l'orange, je crois. Du loup. Du lu. Lulu. C'est lu. C'est écrit lu. 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 Là, on va diviser en 3. C'est mieux. Là, vous n'allez pas le manger. Je veux un peu. Moi aussi. Oh, c'est noir. Attends. Quoi, c'est noir? C'est pas ce que c'est rouge? C'est pas à la presse? Pourquoi c'est noir, les gars? Là, les chats. Pas ça. Je m'en. Pourquoi le dessin est noir même s'il se passe supposé d'avoir ça? C'est ça, c'est des graines et tout. Toi, tu veux que ça soit plat? Où tu vois, il y a la. C'est une image artificielle. C'est bizarre, c'est normal, c'est de la graine. Allez, vas-y. Ok. Coupe. C'est bon, bise. Oh putain. Coupe. Ok. 3, 2, 1, go. C'est bon en fait. Moi aussi, je trouve que c'est bon. Totem. En vrai, c'est bon. C'est bon, hein? C'est bon. 7,5 là. Ils ont rien mangé en passant. Ils ont rien mangé. Je sais déjà. Ils ont rien mangé. Je sais pas que vous avez pas mangé. Ils ont rien mangé. Ils ont pas mangé. C'est trop bon. Trop bon. C'est de la confiture dorée là, c'est ça. C'est pas la confiture rouge. Bon, c'est bon. Passons. Ouais, c'est bon. Très bon, très bon. Et là, oh, c'est fini. Il y en a plus. Bon, c'est fini, c'était la dernière. Donc voilà pour la dégustation de nos sœurs françaises. Mettez dans les commentaires comment vous avez trouvé ça. La meilleure chose que j'ai aimé ici, c'est sur l'unité là, sur le Capri Sun. Moi, c'est ces chips là. Monster Munch. Ouais, Monster Munch. Et belle unité là, on a l'habitude là. Ouais, ça, on a déjà l'habitude. Et puis j'ai aimé le Monster Munch. Ouais, le nouveau, c'est Monster Munch. Le seul que j'ai pas aimé, moi, ce serait peut-être le. C'est lequel déjà? Le gâteau là, celui-là. C'est juste celui-là que j'ai pas aimé, mais bon. Abonne-toi si c'est pas quoi tu as fait. Partage. Et dis-moi dans les commentaires quelle autre dégustation tu voudrais faire. J'ai fait France, Japon. Là, on y va pour peut-être. Japon? UK. Non, ça, non, c'est pas ouf. Hein. Il n'y a pas de nouveau service. Moi, j'ai Corée. Ouais. Corée du Sud. Corée. Corée, ok. Ça sera peut-être Corée. Ou dis-moi dans les commentaires, c'est quoi qu'est-ce que je voudrais faire comme déguste. Nous sommes américaines, c'est vrai que comment j'ai dit. Oh, américaine. Nous sommes américaines. Et pire sur nos vidéos. Et peace pour nous, et peace pour nous, et peace pour nous, et peace pour nous.